Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Vendredi à la source, retrouvez la talentueuse mais discrète Pauline Croz. La chanteuse française s'est fait connaître notamment en 2005 avec la chanson T'es beau, qui retranscrit sa fragilité avec force et émotion. Sur la scène de la source, elle dévoilera ses nouvelles créations entre pop, chanson et musique africaine. Comme un métal précieux. Au Coléo, retrouvez l'effet escargot proposé par la compagnie Cadavreski. C'est des exploits acrobatiques au rythme de son endiablé, c'est du ski danse sur une piste noire mais sans poudreuse, c'est du jonglage et de l'équilibre, bref, c'est à voir dès 5 ans. Follow the line if you can. À l'Atrium, c'est Nick Hens qui fait le show, c'est de la pop folk à la Jeff Buckley. Il porte les émotions avec sa voix et les musiciens assurent le groove. Vous l'avez sûrement déjà aperçu à la télé dans The Voice. Le cirque Piédon, c'est en ce moment et c'est au parc Paul Mistral. Le cirque Piédon, c'est une histoire de famille où tous les membres de la famille sont mis à contribution. Il conçoit les numéros, mais aussi les décors, les costumes. Au programme chat, chien, lapin, bouquetin, tir à l'arbalète et acrobatie. Le pianiste Alfio Riglio au château de Jarry vendredi. Il est accompagné du jeune prodige et guitariste Noé Rennes, du contrebassiste Jérôme Regard et du batteur Zaza Desiderio. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.